Ce mercredi 10 mai, MB14 s'est confié à propos de son passage dans l'émission Britain's Got Talent et le Golden Buzzer qu'il a reçu de la part de NT décembre lors d'un entretien accordé aux Parisiens. Une nouvelle expérience extraordinaire. MB14 est connu des téléspectateurs français pour ses deux participations au télé-crochet The Voice en 2016 et en 2021 dans la version All Stars. Cependant, si le beatboxer de talent est toujours arrivé jusqu'en finale, il n'a jamais remporté l'émission. MB14 est assurément un grand artiste, mais également un très bon comédien. Il l'a d'ailleurs prouvé l'année dernière en étant la tête d'affiche du film Ténor avec Michel Larocque, une prestation pour laquelle il était pressenti à la nomination pour le César du meilleur espoir masculin, mais sans succès. MB14, Mohamed Belkir de son vrai nom, a décidé de se lancer un nouveau défi outre-Atlantique, et a participé à la 16e saison de l'émission Britain's Got Talent, la version anglaise de La France a un incroyable talent, pour dévoiler son art, le beatboxing. Il a tout de suite fait une forte impression au jury et a remporté un Golden Buzzer, le menant ainsi directement en finale. Comment a-t-il été approché pour participer à l'émission? MB14 a fait forte sensation ce week-end auprès du public anglais, mais comment s'est-il retrouvé à participer à cette émission? Il a répondu à cette question à nos confrères du Parisien. Il y a 6 mois environ, une directrice de casting m'a envoyé un message sur Instagram. Elle cherchait des beatboxers et elle est tombée sur mon profil. Elle a aimé ce que j'ai fait, on a un peu discuté et elle m'a proposé de participer au programme, a-t-il confié. Il a alors tout de suite accepté sa proposition car il est lui-même fan de l'émission. Le beatboxer a d'ailleurs avoué à nos confrères que cette nouvelle expérience était quelque peu effrayante. Mais elle était également un moyen de toucher un peu à tout et à plein de cultures différentes. MB14 a été totalement surpris par le Golden Buzzer. Sa prestation a totalement bouleversé le jury, dont NT Décembre, qui ont déclenché le Golden Buzzer à la grande surprise de MB14. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais tellement concentré sur ma prestation. Donc j'étais dans un entre deux où tout se passait très vite et, en même temps, le temps était suspendu, a-t-il expliqué. Avant de conclure, à tel point que j'en ai complètement oublié que le Golden Buzzer existait et que les animateurs pouvaient le déclencher. Il faudra malheureusement s'armer de patience avant de découvrir si MB14 sera le grand gagnant de la 16e saison de Britain's Got Talent, puisque la finale se déroulera dans plusieurs semaines. À lire aussi MB14, l'ancien candidat très remarqué dans The Voice signe un gros succès à la télévision britannique.